d'aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler du martinet. Alors là, je filme le flocon parce que comme vous voyez, il est dans une... en mode boule. Attendez, je vais le cacher, ce sera plus simple. Là, ce que vous entendez, c'est l'oiseau. Alors, regardez-moi un petit peu ta bouffe qui dort. Je vais aussi vous montrer le système de cage. Juste en dessous, il y a mon chou que mon frère m'a refilé parce qu'il est parti en colonie. Parce que, oh, le pauvre chou s'est réveillé en secouant. Parce que, oui, mon frère part en colonie. Et du coup, c'est moi qui vais me taper le lavage de cage. Coucou, mon chou. Voilà. Bon, ben, ça, je vais devoir me taper les deux cages. Et là, il y a Twix qui se demande qu'est-ce qu'il y a en haut. Donc, je vous explique. J'ai positionné les cages comme ça. On voit quand même une différence de taille. Twix, mon chou et Flocon. C'est un peu comme les HLM en fait, mais c'est drôle. Ensuite, bon, la vidéo consiste à parler de l'oiseau. Je vais faire un carton pour qu'il ait un petit peu plus d'ombre. Alors c'est mouillé car j'ai mouillé les sopalins. Et lui, il a eu le droit à sa douche du jour. Bon alors oui, il est assez mouillé, mais ça fait rien. Comme ça, il n'a pas froid. Enfin, au contraire, chaud. Comme ça, il n'a pas chaud. Et je lui ai mis des feuilles, des bâtons. Alors, je veux la même chose. Je aussi veux une douche. Voilà. Eh bien, il s'améliore de Twix. Chut. Voilà. Bon, je disais, il s'améliore de plus en plus niveau. Merci, Twix. Il s'améliore de plus en plus niveau vol. Il ne mange, bof, un ou deux verres le matin ou deux verres le soir. Je lui ai mis des feuilles et des bâtons au cas où il est en vie. Et en fait, là, ce qu'il veut, c'est grimper parce que monsieur ne sait pas voler. Mais bon, il sait ce qu'il fait quand même. Bon, ben voilà. Nouvelle, il va très bien. Je pense surtout à Julia en faisant cette vidéo car elle m'a dit des nouvelles de lui. Donc il va très bien, il a eu sa douche, son palin mouillé pour pas qu'il ait froid et de l'eau fraîche pour qu'il boive. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Rien. Que dans une ou deux semaines, il aura sûrement pris son envol. Donc j'essayerai de filmer quand il s'envolera, mais c'est pas sûr que j'y arrive. Parce que le relâcher et filmer en même temps, faut dire que... Voilà. Ah, et sinon, je demande à tous et à toutes si vous participez à mon concours. Marquez dans les commentaires, je participe ou je ne participe plus ou je ne participe pas. Pour que je sache qui participe. Pour savoir si j'arrête le concours ou si j'attends encore vos vidéos. Allez monsieur, retour dans la maison. Voilà. Pas de mais, laisse-toi faire. Non, voilà. Ce qu'il cherche, c'est un angle pour grimper. Bon, redors comme tout à l'heure. Tu étais bien avant. Là, il y a une heure, tu dormais. Bon, c'est bon, j'en ai faire son pantamar du jour. Je le case là, à côté des autres. Alors, je suis dans ma chambre. Hein. Tout ça dans ma chambre. C'est énorme. Heureusement qu'elle est grande. Hein. Là, il y a Twix qui se demande ce que c'est, comme d'habitude. Ou alors, je le mets en haut. Oh, regardez, il y a Flocon. Sur sa roue. Voilà les nouvelles du petit. On va bientôt être relâché. Va de mieux en mieux. Mange bien. D'habitude, quand je fais des sauvetages d'oisillons, ça marche pas trop et il meurt vite. Mais celui-là, il est dur. Hein. Et là, il y a mon truc sous, tout au bout de la pile. Avec sa grande cage. Je dois nettoyer tout. Oh non, c'est énorme. Vous vous en rendez pas compte comme ça, sauf si vous aussi, vous avez plein de cages d'animaux à nettoyer. Mais bon, Flocon, sa cage est quasiment propre. Je me demande même s'il fait caca. Voilà, alors, Mouchou, mon frère, a dit qu'il la nettoierait. Et il ne la nettoie pas. C'est à moi de la faire. C'est moi qui me prends le boulot. Twix, je l'ai nettoyé là 3 jours. Et il faut que je le renettoie. Et monsieur, bah, je la nettoierai, mais pas tout de suite. Sûrement en même temps que Flocon. Car il ne salit pas beaucoup le sopalin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Twix, qu'est-ce que tu fais là?
Alors voilà, lui il s'est coincé dans un arbre comme d'habitude et Twix il essaye de l'observer. Je veux pas que tu fasses ça, Twix. Bon, voilà, la vidéo est terminée, j'arrête de parler. À bientôt. Et mettez dans les commentaires si vous participez ou pas au concours.